Heureux de vous revoir, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait? Ce qu'il fallait faire pour pouvoir vous sauver, Silas. Je suis l'un d'entre eux. L'évolution logique des expériences de la MEC en biotechnologie. Votre cerveau fusionné avec le système nerveux et le squelette du donneur. La parfaite association de l'homme et de la machine. C'est extraordinaire. Je vous remercie pour votre dévouement, pour votre vie entière passée à servir. Mais je pense qu'il est à présent plus judicieux de m'entourer exclusivement de titans. Colonel Leland Bishop. Bulkhead, il ne faut pas te laisser aller. Reprends-toi, je t'en prie. Oui, Bulk, il faut absolument que tu te remues les circuits. À quoi ça sert? Il faut absolument que tu retrouves tes forces. Un jour viendra où... Ou quoi? Où vous aurez besoin d'aide? Le petit nouveau est là pour ça, non? Hey, Bulkhead, j'ai pensé à un truc. Vu que t'es blessé et tout ça, tu pourrais peut-être utiliser l'armure que j'ai fauchée à Starscream. Muscle instantané. Tu crois que j'ai besoin d'une prothèse? Bulkhead, j'en avais besoin. Hors de mon chemin, petit bleu. Il marche. Il est prêt à revenir dans la course, à mon avis. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Lone Spark pour mériter ça? Non, attends, c'est une blague. Toi, l'élève modèle, t'es collé. Et comment? J'ai oublié quelques devoirs et loupé quelques contrôles. Traduction, il a obtenu quelques 19 sur 20. Je passe probablement trop de temps à la base. Raphaël, j'espère que tu n'es pas au téléphone. Non, maman. Saluez Bumblebee de ma part. Tant que mes notes ne s'améliorent pas, l'équipe Prime, c'est fini pour moi. On vient d'en récupérer un et on en perd un autre. Étrange. Seigneur Megatron, il semble que le signal de breakdown vienne de réapparaître en ligne. Mais il est corrompu. Examinez cela avec précaution. Il pourrait très bien s'agir d'un piège des Autobots. Mais j'espère que ce n'est pas le cas. Breakdown agit parfois comme une vraie brute, mais c'est un maître de la scie circulaire. Breakdown! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est une longue histoire qui devrait intéresser Megatron au moins autant que ceci. Alors, conduis-moi à ton chef. À 16h30, un satellite a été volé dans une réserve militaire haute sécurité. Les caméras de surveillance ont repéré le Decepticon Breakdown. Tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, celui-là.
Il semblerait que Breakdown soit entré dans la base en mode véhicule, avec quelqu'un au volant. Un Decepticon avec un allié humain ? Et je crois savoir de qui il s'agit. Le satellite volé est celui du projet Damoclès. Une invention de Silas, n'est-ce pas ? L'ancien colonel Bishop a sans doute voulu le récupérer. Oui, je croyais que Silas avait été rayé de la carte. Moi aussi. Agent Foller, même s'il était vivant, êtes-vous en train de suggérer que Silas a rallié la Mecque à la cause des Decepticons ? Non, ce n'est pas possible. Jamais Megatron n'aurait toléré une chose pareille. Pourquoi pas ? Les humains sont bien les alliés des Autobots. La plupart du temps. Lockout ! Quelle est cette abomination ? Et pourquoi l'as-tu ramené ici ? Mon nom est Silas. Je suis une forme de vie cybernétique améliorée par symbiose. J'ai une proposition à te faire. C'est lui ! C'est l'humain qui a disséqué Breakdown ! Je vous en prie, Seigneur. Permettez-moi de lui retourner cet honneur. Je vous suggère de ne pas mépriser le seul élément qui donne l'avantage à Optimus Prime, du moins sur cette planète. Ah oui ? Et de quoi s'agit-il ? Du facteur humain, bien sûr. Regarde autour de toi, Silas. J'ai sous mes ordres l'armée d'un puissant vaisseau de guerre. Qu'est-ce qu'un humain pourrait m'offrir de plus ? Mais je ne suis pas un humain ordinaire. Et ceci n'est pas non plus une arme ordinaire. Damoclès est un canon à particules si puissant qu'il pourrait couper en tranches le Pentagone comme un gâteau d'anniversaire. Ou transformer une grande ville en tas de débris. Tout ça à partir d'un satellite en orbite. Il s'agit de l'œuvre d'un fou, et entre les mains de Megatron. Une menace contre la race humaine ? Contre tous les humains de cette planète ? Avec une force de frappe et une précision inimaginables. Mais toi, dans tout ça, Silas, qu'exiges-tu en échange ? Tout simplement une place à ta table. Les Decepticons sont le satellite, mais ils ne peuvent rien faire sans le code interface. La seule copie existante est dans le serveur sécurisé du quartier général du Colorado. Il faut empêcher les Decepticons de mettre la main sur ce code, coûte que coûte. C'est parti pour une belle balade. Hop, 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 hop. Je ne t'ai pas encore déclaré bon pour le service, tu n'es pas prêt à aller te balader. Attention, évacuation immédiate de tout le personnel. Fuite radioactive de niveau 5. Je répète, évacuation immédiate. Les Decepticons se sont arrivés avant nous. Il faut protéger le centre de commandement. Les Autobots viennent d'arriver. Calme-toi, Megatron. Seigneur Megatron, Sunwave a peut-être besoin de télécharger le code pour que tu puisses commander Damoclès de ton vaisseau. Mais une fois qu'il se sera introduit dans le serveur, il sera entièrement sous son contrôle. Sunwave, prépare-toi pour la bêta test.
besoin de renfort. J'arrive. Peux-tu désactiver Damoclès à distance en suivant les conseils de l'agent Fowler? Agir sur le serveur d'un ordinateur humain et sans mon conseiller, sans Raphaël! Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Fiston, la planète a besoin de toi. Autobots, il faut attirer leur attention pour qu'ils ne prennent pas garde à Raphaël. Je crois que ça ne devrait pas nous poser de problème. Ratchet, il faut que tu m'envoies là-bas. Pour que tu sois une cible encore plus facile, il faut d'abord que tu retrouves toute ta liberté de mouvement. Mais Breakdown est de retour et c'est mon ennemi juré. Allez, même les gamins sont de la fête. Très bien, Bulkhead, je te déclare apte au combat. Ouais! Mais c'est moi qui t'indiquerai ta mission. J'y suis, mais je peux pas atteindre le bon système. Il y a trop de pare-feu. Allez, fiston, si les Decepticons téléchargent le code, Damoclès va tout détruire en un rien de temps. Laissez-les s'emparer du code, ils ne peuvent rien en faire sans le satellite. Je ne te suis pas, là. Tous les satellites sont équipés de propulseurs pour pouvoir ajuster leurs orbites. Si j'arrive à m'introduire dans le système de navigation, je pourrai faire descendre le satellite. Génial. Dis-moi, elles se trouvent où, les toilettes? Quoi? Non! Si ma mère vous voit... Du calme, j'ai été formé au service d'espionnage. Même si vous avez été formé par les ninjas, ma mère vous verra, elle a des yeux derrière la tête. Une intrusion dans le système. Soundwave, nous avons un intrus. Jasper, Nevada, il ne peut s'agir que des alliés humains des Autobots. Dans ce cas, j'imagine que c'est plutôt à toi de t'en charger. Je suis sûr que l'un ou l'autre de tes subordonnés pourra très bien... Tout de suite! La voie est libre! J'y vais! Bonne nuit, pirate. Elle t'a plu, mon attaque latérale, Ratchet? Alors comme ça, nous nous retrouvons face à face. Où étais-tu passé, Breakdown? Un peu de patience, je vais t'y envoyer, toi aussi. Tu n'es pas Breakdown. Mais toi, tu es Bulkhead. Et c'est la dernière fois que tu te mets en travers de mon chemin, je te le promets. Silas. En chair et en os. Enfin, c'est une façon de parler. Bulkhead, est-ce que tu m'entends? Bulkhead! Optimus, je crois que Bulkhead a besoin de renfort immédiat. Ah, où ont-ils caché les séries inférieures? Je vous signale qu'il n'y a plus de papier toilette. Tu es très lent à la détente. Tu favorises ton côté droit.
Tes jambes sont faibles. Tu vas voir si elles sont faibles. Tu aurais mieux fait de rester dans ton lit ou t'abattre. Un coup de main ? Le petit nouveau est là pour ça. Moi aussi, je suis un petit nouveau, tu vois. Mais toi, c'est déjà ton dernier jour. Ils essaient de désactiver le satellite. Silas, est-ce vraiment si difficile d'écraser un gamin humain? Silas! Nous avons les cartes. Alors concentrez-vous sur cet intrus et détruisez-le! C'est le moment ou jamais. Autobots, tous sur le centre de commandement. Ça y est, j'y suis presque. Raph, tu es génial, il bouge. J'y suis pour rien. Les amis, c'est Jasper. Oh, je vois la maison de ma famille d'accueil. Et je vois ma maison, en plein dans leur ligne de mire. Quand tu voudras, fiston. Mise à feu des propulseurs. On dirait que leur super plan vient d'échouer lamentablement. Au fait, je voulais te dire, j'ai étudié de près toutes les batailles des Wakers. On fera peut-être quelque chose de toi, le petit nouveau. Silas, tu as bien gagné ta place à table. Seigneur Mégatron, c'est un grand honneur. La table de dissection de Knockout. Breakdown aurait été ravi. Non, Seigneur Mégatron, pourquoi? Parce que Damoclès était ce que tu avais de mieux à nous offrir. Et il n'existe plus. Tu avais raison, ton facteur humain a fait toute la différence. Mais en faveur de mes ennemis. Ah,
Il va sûrement faire un sujet d'étude fascinant. Je vais examiner attentivement chacune de ses fibres, optiques ou non. Non ! Non ! Megatron, non ! Je suis venu pour te servir ! Non !